Alors, pour présenter vos photographies, vous pourrez utiliser Pixar, c'est gratuit. Alors, comme je vais mettre 4 photos, je vais choisir une grille simple avec 4 photos. Je vais prendre celle-là, la plus simple, mais vous pouvez choisir d'autres. Alors après, vous cliquez sur l'une des cases pour ensuite pouvoir accéder à votre galerie sur votre téléphone et choisir les photos que vous avez prises. Je prends celle-ci. Voilà, j'en ai pris 4. Et donc ensuite, je clique en haut à droite sur Ajouter. Alors automatiquement, les photos se placent dans les cadres, mais vous pouvez les bouger pour les recadrer. Ou ensuite, aussi en bas ici, vous pouvez les recadrer, affiner encore plus le cadrage en faisant pivoter. Donc chacune des photos peut être ainsi paramétrée. Quand vous avez ajusté tout ça en haut à droite, vous faites la flèche pour faire suivant. Et ensuite, vous allez nommer ce que vous avez fait. Quel est le type de point de vue, le type de cadrage. Alors pour ça, il y a en bas le texte. Alors je vais noter en choisissant une couleur bien visible, pourquoi pas le rouge. Je vais noter plongée, puisqu'il y a une vue en plongée. Bon, je mets pas l'accent, mais c'est voilà, c'est plongée. Donc je vais mettre la plongée à ce niveau-là et je peux réajuster, vous voyez, la taille et même faire pivoter, je place où je veux. Et je fais de même pour les autres. Donc il y a une contre-plongée, je vais nommer contre-plongée. Toujours avec une couleur qui soit bien visible. Je place au bon endroit. Je réajuste la taille. Et je valide. Voilà, ainsi de suite. Donc pour les deux autres. Et le dernier. Donc c'est un ici une vue en plongée latérale. Plongée latérale. Plutôt placé en haut, ce sera ainsi plus lisible. Après, tout simplement, vous passez à l'étape suivante, toujours en haut à droite, et vous choisissez d'enregistrer plutôt d'abord dans votre galerie, donc ici, mais aussi vous pouvez l'envoyer par mail. Donc là, j'enregistre automatiquement dans ma galerie. Et le travail est fait. Voilà.